Offrande, Ah, c'est ça. tu peux oublier. Allô? Yes, ça va ou quoi? Ça va. Ah là, cette semaine, je vais tomber beaucoup du lit. Ah ouais, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Tant mieux. Ça y est, ça va exploser des records. Oh, je sais pas, on verra. Je ferai pas mieux que toi. Putain, encore la maladie. Cette semaine, il y a des choses simples. Il y a lundi après-midi, ça va être compliqué pour moi. Ah ouais? Ouais. Et jeudi matin et début d'après-midi, pareil, je suis à la ville. Hein, donc... Ok. En gros, ce que tu veux me faire comprendre, c'est que quand je suis là, t'es pas là, quoi. Bah, c'est pas de ma faute. C'est contre ma volonté, là, pour le coup. T'inquiète, je taquine. De toute façon, je suis là. J'ai le médecin, il m'a dit lundi après-midi, il faut pas que tu forces parce que tu risques de faire un malaise et de voir tout noir, tu vois. Ouais, c'est chiant ça. Et tout noir, tout noir. Il m'a dit précisément, là, vraiment, hein, lundi après-midi, reste tranquille, quoi. Ouais. Et jeudi, j'ai des choses à faire à la villa, donc pas de choix. Je vois. Je commence à préparer mes affaires pour partir la semaine d'après. Ok. Le 17, je décolle, je suis pas là minimum pour 2 semaines. Ah oui, ok. Ouais. Ça, c'est minimum. Et la troisième semaine, je reviens, mais c'est pas dit qu'on me voit beaucoup, tu vois. Ah, je vois. On verra. On verra. Ça marche. T'as bientôt fini que t'as su ou pas? Oh non, il me reste 440 là dans le brick. Ok, je suis sur la route là. Pour venir à la suite. Ouais. Yes, ça marche. T'as envoyé un message à Villa, j'espère. Ouais, t'inquiète, ça c'est déjà fait. Ouais, quel. Mais c'était un contexte différent en fait. Ouais, non, mais ouais, même pour éviter les problèmes. Hein. Ouais. Je t'explique dès que j'arrive. Parce que du coup, maintenant que c'est retombé, je peux t'expliquer plus facilement.
Y'a pas de soucis. Bah, je te dis à tout de suite du coup. Ouais, je suis là dans 3 km. Vas-y, à tout de Vas-y, suite. à toute. Et re... Oh, j'ai pas prêt à bouffer et à boire, un salaud. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Il faut que je t'en donne un peu. Non, c'est pas ça. Puis, Je suis large. je pars toujours large. Je suis toujours très large quand je fais mes sup. Ouais, le coup avec Mila la dernière fois. En gros. J'ai pas réussi, hein. Super. Ah, la dernière fois, moi, il m'est arrivé ça. Je bois, chope des rougeurs, je mange, chope une chiasse. Nickel. Trop chiant. C'est fou. En gros, avec Mila, on avait un logement à nous deux, mais on va dire qui. Enfin, je vais Vas-y, chercher le vas-y. sac, j'arrive. Vous On aviez un avait logement à vous un deux. logement à nous deux, mais en fait, qui était tu sais, à l'époque où on se cachait, etc. C'est pas un. C'est Ouais, un truc ouvert à tout le monde, tu vois. Ouais. tu m'en avais parlé sur la plage. Ouais, et en fait, il y a le quartier à côté. Et bah, le quartier, maintenant, c'est pas qui y réside, tu vois. Et puis, du coup, la veille de cette petite embrouille, là. On marchait, etc. Il y avait la tempête qui approchait, et puis ouais, on avait envie de se poser tu sais, là-bas, tu vois, plus en guise de souvenirs, tu vois. Ouais, je Du vois. coup, on s'est posé là-bas. Et du coup, le matin, elle se réveille, elle est en mode sans sécurité, etc. Elle se retourne, elle voit pas de wheeler, elle a paniqué, parce qu'il y a le quartier à côté, parce que je sais pas, donné de nouvelles, machin. Ouais, t'étais parti de là-bas, en Ouais, fait. c'est ça. C'est pas parti de la D'accord, je maison. vois. Ouais, je comprends le contexte, du coup. Je peux comprendre le contexte, du coup. C'était entre guillemets juste, enfin c'est pas juste, mais tu vois ce que je veux dire. Oh non, mais ouais, je vois. Dis qu'on plan mieux. Mieux, je comprends mieux. J'avoue que je te l'ai un peu raconté en mode ouais, j'ai juste pas envoyé le message, mais en fait, hein. Ouais, t'as fait un peu plus que juste Ouais, envoyer le voilà. message. Je vois, je vois. Ça va, bravo. En plus, hier soir, elle m'a dit vraiment, si demain matin tu veux te lever, lève-toi. J'ai dit non, tranquille, je vais rester à l'appart avec toi, je vais t'attendre, machin. Et là, je tourne en rond dans le lit, elle dort encore, etc. Vas-y. Je vais soutenir Ça, Mike. Du coup, j'ai envoyé un message. ah, c'est top, top. Ah, mais en plus, vous êtes encore en vacances, vous, ça? Ouais, alors, les vacances.
Ouais, c'est pas vraiment des vacances, quoi. Ouais, c'est... Je vois ce que tu veux. On n'a pas passé plus de temps ensemble que d'habitude, genre. Avec l'événement, il y avait des filles qui étaient en stress, etc. Du coup, Mila était avec eux au Yellow, machin, le lundi pour les rassurer, etc. Ça va bien se passer, machin et tout. Moi, je suis resté avec Kane, j'ai discuté avec Kane. Le mardi, il a fallu essayer de trouver des participants. Qu'est-ce qu'il y a eu après mercredi, je sais plus ce qu'il y a eu. Le jeudi, on est resté à l'appart. Le vendredi, du coup, Oui, il y a les la autres. réunion. Enfin, j'étais vraiment ravi, tu vois. Et du coup, un peu trop frustré à mon goût. Tu vois, bon, il va falloir se rattraper une fois. Ouais. Passe plus de temps ensemble quand on est au boulot que. Je connais pas quelqu'un qui vend une BF. De quoi? Je connais pas quelqu'un qui vend une BF400. Non. Non. Oui, j'en ai entendu parler que t'as eu le feu vert. Bien, parce qu'il y a des personnes qui vont de BF. Une annonce recherche, peut-être que. Me fait chier de la payer stock. Enfin, de l'acheter au concession, tu vois. Pour la refouler derrière et tout. Si on peut la trouver Une moins cher. recherche, Ouais, je vais une attendre annonce que de ça. recherche peut-être. Je vais attendre que ça tombe. Oh, sinon, tu t'observes assez régulier de toute façon les BF. Ouais. La Clémence, elle est contente, elle a acheté sa panthère hier. Ouais, elle m'a dit, elle était contente. Ah, au moment où je vais pouvoir rentrer, je vois l'annonce qui tombe. Mais Clémence, c'est maintenant là, t'appelles tout de suite. Mais j'ai plus de carte grise à cause de toi. Je fais, on s'en fout, t'en rachètes une, je te la rembourse. Je vais pas te bloquer pour une carte grise là. T'achètes une carte grise, t'appelles le mec tout de suite, tu vois avec lui. Voilà. C'est cool. T'as réussi à discuter avec Peter du coup hier? Compréhensible, vraiment, c'est ça me prend la tête plus à ce fuck. Ouais, j'en discutais Et avec un. Je vais pas chercher à savoir quoi que ce soit, moi. Je continue de faire ma life comme d'hab. ouais, Si on a c'est quelque chose à me ce qu'il faut. reprocher, on viendra me voir. Sinon. Non, mais réellement, c'est ce qu'il faut. Après, le truc, c'est que de ce que je vois, t'as d'une un problème de communication énorme Ouf. Moi, je et sais qui plus si va je te l'ai dit, hein, mais pour moi, à partir du pas moment où tu très t'en bien rends vivre. compte pendant des mois ou des semaines et que tu ne fais rien, tu ne dis rien, tu es fautif, hein. Ah ben c'est plus compliqué que ça encore, tu vois. C'est que comme je t'ai dit, j'ai pas pu le dire parce que je l'ai pas appris officiellement. Mais moi je l'ai appris du coup début de semaine. Que ça allait parler de ça. Mais notamment, hier j'ai une discussion avec Peter. Un truc qui m'a sorti, je me suis dit, mais attends, mais il y a eu ça. Ouais, mais il faut nous le remonter. Bah oui, sauf que on le tient, on l'a dit là, on l'a dit là, on l'a dit là. Déjà qu'il soit. Enfin, c'est pas critique, hein, mais pour voir aussi qu'on lui remonte des choses, il faut aussi qu'il soit là, tu vois. Exactement. C'est pour ça que là qu'on va faire une réunion entre la direction et les responsables, mettre les choses en place et pour améliorer la communication. Je pense que c'est important. Et après, il n'y a pas que ça non plus. Tu vois, à mon avis, il y a aussi d'autres soucis autre part que je me suis rendu compte ce matin, qui c'est n'importe quoi. On m'a remonté ce matin que, soi-disant, Léna, elle était mise à l'écart. D'où elle est mise à l'écart? Mais impossible. De quoi? Impossible. Ah ben, tu vois, c'est. Arnane aussi, tu vois. Ouais, par exemple, on m'a remonté ce matin que le coup, quand j'ai appris que Arnaud, il voyait tout le monde, que j'ai dit ah, ça va pas être mon copain, les mecs ils ont pris ça au premier degré. Mais qui t'a remonté ça?
C'est qui a pris ça au premier degré? Ben je sais pas. Moi, c'est Cal qui m'a remonté ces trucs-là. Mais Cal, en tant que représentant employé, ça peut être n'importe qui dans la boîte. Faut arrêter. Mais ça a été pris premier degré. C'était au bout d'un moment, si on peut même plus rigoler. Ça va finir. Finir n'importe comment, quoi, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Hein. Ouais. Son Peter, il a Donc, dit. Hein. Herman, au final, plus d'une fois, j'ai travaillé avec lui. Moi, je l'ai jamais croisé. Il est particulier, il est vraiment spécial. J'ai pas du tout le même caractère que lui. Il a un caractère que j'apprécie pas forcément. Mais c'est pas en mal, tu vois. Bientôt, je sens que bientôt on va me reprocher de faire peur aux gens. Et toi, c'est pas un caractère. Où j'ai du mal avec son caractère, c'est que c'est le caractère prout-prout, en fait, tu vois. Ouais. Monsieur le Châtelier, et c'est pas un type de caractère que j'apprécie. Mais j'ai rien contre lui. Et c'est sûr et certain que ça sera pas mon pote comme tu peux l'être, ou comme qu'un peut l'être, tout ça. De toute façon, c'est impossible, hein. On peut pas être Mais. 25 potes à se tenir main dans la main, hein. C'est impossible. Totalement. Et le problème, c'est que là, c'est en train de se transformer en mode faut être assistant social, tu vois. C'est Ouais, c'est ça. totalement. Matin, je discutais avec Kyle par rapport au coup Alena. Je lui ai dit, mais d'où tu dis qu'est-ce qu'elle a mis à l'écart? Oui, effectivement, elle travaille pas avec beaucoup de gens, mais c'est pas, elle fait pas la démarche de s'axer avec les autres. Donc au bout d'un moment, ah ouais, mais il faut que les autres le fassent. Mais ouais, au bout d'un moment, tu vas pas demander à tout un groupe de faire un effort pour une personne qui veut pas faire l'effort à l'inverse. Ouais, mais dans sa vie en ce moment, ça va pas bien. Oui, je sais, on en a parlé. Ouais, Mais bah. qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Si elle a envie de travailler toute seule, on veut pas la forcer à travailler avec un groupe. Ça Je vient lui ai dit, je lui ai dit, moi, pour le tu me mets un coup. coup comme ça. Moi, je lui ai dit, tu me mets un coup comme ça. Je suis pas bien dans ma vie privée. Je veux me mettre à l'écart, à travailler tout seul, et tu viens me casser les couilles pour que je vienne travailler avec vous. Mais je t'envoie bouler, mais d'une force, imagine même pas à quel point. Ouais, non, mais. C'est ouais. Kyle, pour le coup, il fait partie des gens qui bossent assez régulièrement tout seul. Hein. Avec Amy, quoi, mais en général, enfin, moi, je bosse très rarement avec. Hein. C'est peut-être une histoire de créneau, je sais pas, hein, mais. En fait. Si on part comme ça, moi aussi, regarde, là j'étais tout seul dans ma soupe. Bah ouais. Tu te sens peut-être mis à l'écart, mec. Tu veux que j'appelle peut-être Kyle ou Peter? Non, mais ça me fume. Et au bout d'un moment, c'est compliqué, hein, tu peux pas. Là, on est en train de dériver petit à petit sur un truc malsain de pleurnicherie, tu vois. De tout le monde Ouais, va commencer totalement. à remonter des Totalement. trucs, machin. Tout le monde va avoir le Totalement, mal totalement. partout. Moi, je vais le faire. Au bout d'un moment, j'ai dit ce que j'avais à dire, que ça n'avait pas pris, bah, qu'il fasse. Quand ils vont voir que l'ambiance de l'équipe va se dégrader. Non. T'as vu, il a dit il y a un groupe qui fait sa loi. J'ai Bon, bloqué quand tu alors, m'as il dit s'est. ça. Ouais, non, mais ça, il s'est totalement mal exprimé, je vais dire. Ça, je lui ai dit, il s'est totalement mal exprimé là-dessus. Hein. Mais bon, il remonte des choses aussi, laisse tomber. Non mais je pense qu'il y a la moitié des infos. D'une, il y a la moitié des, il avait la moitié des infos. Et de deux, il remonte des choses de Mathusalem. Hein. Hier, Ça sur la ferait. table, il y avait la situation Esteban, quoi. Ouais, non, mais d'accord. Ben, c'est que là, je prends un blâme tout de suite, hein, mais c'est je signe. Et. Et puis, hey, Mike, qui est-ce qui m'a Ah mais dit, totalement. tu sais, quand il a dit, ouais, oui, là, il fait peur, machin, et tout, ceci, cela. J'ai été voir Peter Italia. J'étais en mode, ouais, j'ai appris ça et tout, machin. Qu'est-ce que. Enfin, je dois changer ma façon d'être et tout. Il m'a répondu, ah, surtout pas. Moi, si le mec ils aient peur de quelqu'un et que au final ça les permet qu'ils respectent le règlement, ils ça me va. Et voix parler avec Peter. Dire, essayer d'en parler avec Peter, peut-être que ça éclaircira des points ou que tu comprends pas ou comme ça, j'en sais rien. Ouais, non mais moi il m'en a pas parlé de Stone, tu vois. Enfin, si tu me le dis pas, Oui, j'en mais suis pas au courant.
Mais parce que là, ce que depuis hier, tu n'en as pas parlé avec lui. Mais nous, hier, on en a parlé longuement. Et justement, ce point-là a été abordé. Mais comme je lui disais, Stéphane, il se mettait lui-même dans sa bulle à ne pas vouloir travailler, tu vois, avec les autres. Et au final, enfin, dans ces cas-là, on peut aussi me foutre le cas aide sur la gueule. Hein. C'est Mais quand c'est même chiant. encore un cas encore plus particulier. De toute façon, Ed, Saint-Peter n'a sûrement pas l'info et la décision avait déjà été prise que sa période d'essai ne serait pas renouvelée. Dans tous les cas. Hein. Si lui partait pas, c'est nous qui lui disons de partir. Mais de toute façon, il y a un truc qui est clair et net, et ça c'est une certitude, c'est qu'il y a un manque de communication sur la tête de Darnell. C'est clair et net. Et ça a bien été détecté, surtout peu encore plus hier. Et justement, là, il va y avoir une réunion et va falloir améliorer la communication parce que là, c'est pas jouable, c'est pas faisable comme ça. Ouais. Et quand je vois que je fais remonter des informations qui n'arrivent pas jusqu'en haut, au bout d'un moment, compliqué quoi. Pour le coup, moi je déteste court-circuiter. C'est-à-dire que il y a une hiérarchie qui est établie. C'est-à-dire que si techniquement c'est comme ça que ça se passe, j'ai quelque chose à remonter, j'en parle à mon responsable, notamment à toi, le responsable, et il en parle à la direction. Je ne court-circuite pas. Ouais, parce que moi je parle régulièrement avec Talia, mais après voilà, ouais, il y a pas mal de remontées que je fais à Talia et après je sais pas où ça va. Donc, Ouais. parce que le problème c'est que faire des remontées à Andrea, bah, c'est compliqué, il est pas souvent là. Faire des remontées à Peter, bah, ça a été très compliqué parce que ça il a pas l'air de réaliser, mais depuis qu'il est parti à la mairie, on l'avait quasiment jamais revu. C'est seulement là depuis une semaine, une ou deux semaines, qu'il commence à nouveau être là. Donc c'est complexe. Hein. Et je pense qu'il y a eu une phase aussi où ça a été très complexe. Du coup, du fait que Peter n'était plus là, Andrea n'a pas beaucoup été là, les deux seuls qui étaient tout le temps là, c'était Talia et moi. Ouais, Donc les clés vous ont été bah, données. Hein. bah non. Justement, nous. Non, Enfin, mais. Atalia, oui, mais Atalia ne se sentait pas légitime de prendre des décisions, et moi non plus. Mais après, ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais... Quand je te dis les clés, ça parle pas forcément de... Quand je te parle de donner les clés, c'est pas le côté prendre des directions et d'être patron par intérim, c'est plus le côté où il fallait se démerder tout seul. Ah oui, bah c'est ce qui a été fait. Hein. Et ce qui Bah, il n'a n'y a pas pas eu le choix, en été fait. mal fait en soi. Hein. Je veux dire, en soi, pour faire tourner Darnell, on n'a pas. Bon, c'est peut-être méchant, Ah mais on bah, n'a pas forcément besoin d'eux. la boîte en elle-même s'est bien fait tourner. Hein. Elle a bien tourné. Sans problème. Et, ouais. Je vais te dire, moi, je fais. Sur ce coup-là, je pense que je vais pas me prendre la tête sans temps, ils vont gérer, et puis c'était merde, et puis. Ouais, c'est pour ça Puis que j'ai pas voilà. Hein. forcément envie d'en discuter avec. Déjà, si j'ai envie de discuter avec, je veux avoir Mille à côté de moi parce que s'il me dit deux, trois phrases qui me plaisent pas, je vais encore devoir lui faire les pneus. Et ça va me gonfler et je vais dire ou faire des choses qui vont derrière porter préjudice, donc je n'ai pas envie. Je déteste devoir manquer de respect à mon supérieur direct, donc... Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et je suis Dire. pas sûr qu'il ait conscience que si on veut vraiment être un groupe qui fait sa loi, mais on lui retourne tout. Hein. C'est-à-dire que moi, il y a des gens avec qui je n'ai pas d'affinité, voire même, je peux même te dire qu'il y a des personnes que je ne peux vraiment pas supporter, que je peux pas saquer. Et ben, c'est tout. Je rumine dans mon coin.
Quand cette personne-là, elle parle, que ça m'agace, j'envoie un SMS à Mila, elle m'apaise, etc. Et terminé, bonsoir, tu vois. S'il faut aller bosser avec, j'irai bosser avec. Je vais pas l'expulser ni quoi que ce soit. Mais si vraiment il est en train de dire qu'on est en train de faire ça, si jamais je le mets en pratique, ouais, y a des gens qui vont Non, mais finir enterrés, hein. c'est complexe. Là, en fait, leur point là est vraiment complexe. Il y a une sinuité. Pour en avoir parlé longuement, je te dis, oh, faut qu'on en parle en réunion tous ensemble parce que là, Ouais. justement, c'est. Mais Mila s'est sentie beaucoup visée. En plus de ça, est incroyable. Attends, je te ressens le. Parce que je discutais avec Mila en même temps en message. Et quand il commence à parler du sujet. Attends. Qu'il y a 48 photos là de. En fait, d'après ce que je comprends, tu vois, parce qu'on ne peut pas nous reprocher, et ça, moi, je le défends comme il n'y a pas, on ne peut pas le reprocher le fait d'avoir, de ne pas avoir travaillé avec du monde, parce que ce n'est pas le cas, tout le monde a toujours voulu travailler avec tout le monde, Oui. et ça, c'est sûr, mais j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on fasse semblant d'être copains avec des gens et qu'on n'apprécie pas, et ça, ce n'est pas possible, en fait, ça Bah n'a oui, rien à voir. clairement. Tu vois, quand il Et commence à parler du sujet, mais là, il m'envoie, bah du coup, je sais pas de qui il parle, mais je vois personne à DB qui fait ça. Je dis pareil, tu vois. Et c'est quand après il rentre dans ses explications et derrière du coup quand je lui pose la question qui précise un peu plus ses propos, on a commencé du coup à se sentir visé et Mila plus particulièrement parce qu'elle a pensé du coup à l'histoire de Crystal et d'Icon et du coup pour elle ça se passait qu'en journée. Et après discussion avec Kane, Kane lui a dit je t'assure que c'est pas que de la journée, il y a aussi de la soirée. Et la soirée, il n'y a pas grand monde. mais ah, c'est même pas ça, c'est que je vois pas pourquoi Crystal sort là-dedans en fait. Alors ça c'est une Crystal, supposition qu'on a, ça on ne sait pas, hein. non mais parce que Crystal réellement, pour lui avoir dit plus d'une fois, c'est elle qui se foutait à l'écart, qui arrêtait pas de dire. Mais je suis sûr que pour Peter, il y a le cas Crystal et qu'il n'en a juste pas parlé. Mais Crystal, c'est quoi ça? Je sais pas. Cette biche. J'allais dire en 129 s'il vient nous faire chier. Je prêt. À la limite, c'est quoi? Peut-être qu'il vend sa BF. Peut-être que j'aurais pu lui braquer sa BF. Avec la cristal, le truc qu'il y a, c'est que c'est elle-même qui s'est foutue à l'écart. Hein. Et ça, je lui ai dit plus d'une fois. C'est toi qui as. Tout le monde Déjà, l'a elle a mal fait vécu le avec truc. toi. Déjà, devenir ADB, ça lui faisait souffrir parce Mais qu'elle déjà, voulait rester à Weasel. elle est venue à DBA contre cœur de base, donc c'est à partir de là. Normalement, j'ai fini. Tu fais quoi, toi? Tu te mets à travailler ou pas du tout? Ah non, non, moi je ne suis pas Tu veux peau verte? aussi faible que Mila. Ah, les propos vont être déformés, c'est terrible. Non, mais il y a un truc qui a été dit, tu vois, hier. C'est que soi-disant. Ouais, c'est soi-disant, il y aurait eu dire que ouais, je vais me décaler, je vais travailler avec toi parce que j'ai pas envie de travailler avec lui. Le seul cas que je vois comme ça, et c'est ce que j'ai dit à Peter, c'est moi avec Deacon, et il venait de m'énerver comme il n'y a pas le matin même. Je lui ai dit, mais si tu prends des cas isolés aussi, prends des cas isolés sans avoir toutes les informations. Le mec, il m'a poussé à bout. Le matin, j'ai pété, ça m'a fait disjoncter. J'étais pas bien en plus à ce moment-là. Je fais oui, effectivement, j'avais pas envie de travailler avec lui. Je me suis décalé. Mais si tu prends des cas isolés et que t'en fais des généralités, bah, on n'est pas sorti. Tu vois. Pour moi, en fait, l'histoire n'a pas lieu d'être, étant donné que l'histoire d'une n'existe qu'à moitié. Et que pour moi, la faute n'est pas forcément du groupe, mais notamment des individus précis en question. Tu vois. On va pas se mentir hein, que quand moi Esteban il pouvait pas le blairer au début ça vient de moi Esteban je pouvais pas le blairer je vous ai parlé de ceci cela de ce qu'il faisait qu'il parlait pas En qu'il disait pas plus, bonjour
dès le début, je ne pouvais pas. J'ai travaillé énormément parce que j'étais beaucoup là très tôt le matin à l'époque. Je n'y arrivais pas non plus. Le mec, il te décroche pas un mot. Ouais, voilà. Mais on va pas se mentir que si, par exemple, moi, de mon côté, il y a quelqu'un que je peux vraiment pas saquer et que toi, c'est moyen, bah derrière, automatiquement, on commence à ne pas apprécier l'autre. Moi, demain, moi, Deacon, j'ai très peu bossé avec lui. Mais là, pouvait pas le saquer. Toi, tu pouvais pas le saquer. Bah, du coup, indirectement, je pouvais pas le saquer. Donc, en soi, là, je comprends l'effet de groupe. Mais toi, reste là, t'en prends une, hein, je te le dis, gros. Et Oh, tu l'as fait flipper. ils me tendent là, les gens. Mais donc, en soi, il y a quand même l'effet de groupe. Je peux le concevoir, l'effet de groupe, tu vois. Parce qu'on est quand même assez soudés. Mais on peut pas nier que, en fait, c'est les gens qui ont fait des dingueries. C'est les gens qui font des conneries. C'est sûr et certain, mais ça. On laisse sa chance à tout le monde, tu vois. Je suis jamais arrivé en disant à un tel, oh non, toi, je peux pas te saquer. Non, si tu commences à me prendre la tête, à me casser les couilles, à me manquer de respect, je vais te jarter. Et plutôt que de te défoncer, bah je vais peut-être moins te parler, tu vois. Après, s'il faut lui parler, mais lui casser la gueule, enfin moi ça me fera du bien aussi, hein. Mais ça n'a pas de sens, tu vois, on peut pas faire ça. Et c'est bien dommage, mais ça me ferait du bien. Tout à fait d'accord. Bon, Zou, retour DB. Vas-y, je te suis. Tu suis? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Zou. Qu'est-ce que c'est agréable de faire de la moto? J'en fais pas assez. On en fera peut-être un peu plus là. Il a poussé vers la sortie.
Coucou Maya, comment ça va? Ça va, ça va. Tu pars sur quoi toi Maya là? Mais refaire le stock, ça marche pas. Tu peux te dépêcher de rejoindre Peter. Mais quand vous revenez, vous allez stocker et après on part tous sur une commande. Alors voilà, mais t'as le temps de faire un tour de prod sans problème. Si tu veux si tu veux un coup de main sur une commande, je suis là. Hein. Au final, t'es aussi faible que Mila. Non, c'est gratuit. Pas lui dire. Et salut. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mec. Ça, tu parlais pas fort. Ah, tu ranges la tienne. Et salut! Et salut. Ça va bien? Et toi? Toi, ça va. Connaissez personne Là, qui vend j'attends. une BF? Qui vend une BF? Non. Ouais. Terrible. Je connais personne qui vend un Frogger? Non. Ah, Et demande, demande dans le où... doute. Le zombie fait des ventes d'occasion à Indigo. Attention à Ouais, lui, je sais. Charles Mule. Je sais, mais j'ai déjà posté une annonce Weasel pour voir, et puis... Tu fais quoi, Franck? Tu veux venir ou pas? Ouais. Viens faire plein de vertes? Ouais. Allez, en voiture. Bon, des bisous, vous deux. Bonne Eh casino, ben, ouais. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je rappelle qu'on arrive sur la fin de la prod, enfin, Ouais. du tour de prod, ok. Allez, des bisous! Salut. Check les poubelles. Oh, 633, j'ai pas passé l'appel. Ça c'est beau. Isine. Tour de prod. Ça. Mais ils sont sérieux, les gens. Avec son bus de mort, là. Ah bah ça, c'est complexe ça. Putain, mais ils ont tous décidé de se faire chier. Hein. Putain, je veux voir la fenêtre. Alors, non. Sortir mon Non, mais ouvre la taser. vitre. Ah, je l'ai ouvert. Ah non! Je vais jamais ouvrir les vitres. Et après, tu peux plus les refermer. Quand tu ranges la mule, ça éclate. Rappeler le constructeur. Hein. C'est quoi? Là, rappeler le constructeur. Là, tu l'as refermé ou pas? Je sais pas. Terrible. Parce que moi non, mais. Je crois que non. On envoie la petite queue. Pardon. Et bonjour. Salut, ça va? Allez, toi. Et coucou, heureux. Du coup, on fait un tour de prod et après on se lance là-dessus. Ok. Juste que j'appelle Kyle quand on arrive sur la fin du tour de prod. Hop, 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 hop.
J'ai trop mal dormi. Comment ça se fait? Pense qu'il va falloir que je change de matelas à un moment donné. Alors, monsieur vient d'acheter un château, mais il a un matelas pourri. Oui, bah écoute, on achète des choses, chaque chose en son temps, hein, voilà. Il n'y a plus de budget pour le matelas. C'est ça. Portons à Darnell, on peut gagner des millions. Oui, bah j'ai pas ton temps de présence, moi. J'ai d'autres choses à faire. Je dois faire le ménage à l'intérieur de la maison. J'ai de Là, la ça prend une paperasse. semaine. Vu la taille de la baraque. Toi, Voilà. remplir une Zut. femme de ménage. Allez, ça c'est dit. Et la paperasse, tu crois que c'est la femme de ménage qui va la faire, hein? Non, merde! Là, je vais être sur une semaine de zéro paperasse, ça va me faire un bien fou. La semaine prochaine? Ouais, bah là, ça a commencé hier soir, là. Go faire 400 000 Bah, DCA. félicitations. Vous allez vous réveiller, vous allez voir Willa, vous allez vous coucher, et il y aura toujours Willa. Alors, pas forcément en train de bosser, hein, parce que bon. Du bizarre du matin au soir. Juste demain, je serai pas forcément. Je serai là peut-être le soir, mais la journée, je pourrais pas. Ah non, mais ne te tue pas la tâche en étant au boulot tout le temps, en fait. Oh non, Justement, non. même si t'as pas de paperasse, profites-en pour, Ah ouais, c'est je sais prévu, c'est pas, te prévu. balader, des choses comme ça. C'est prévu, c'est prévu. Traduction, fais pas comme moi. Voilà. Fais Mais pas c'est comme faux en lui, fais plus. pas comme Léna. Voilà. Mais c'est faux en plus, je passe pas ma vie au travail. Petite semaine, Mike, ça. Comment ça, petite semaine? 14 000 Oui, sacs. petite semaine, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Mais il reste 2 jours. Ouais. Et actuellement, je suis pas à 14 000. Moi, je te dis ce que je vois pour l'instant. Je suis à 16 000. Ouais, ça Et reste. encore, tu dis 14 000, je suis à 15 000. Ça reste léger. Allez, Après, de écoute. manière générale, on est plutôt sur une petite semaine aussi, hein. Donc, Oui, de manière générale, ouais. Mais par contre, non, moi je suis sur une semaine classique, réelle. Pas sur une petite. Je suis full. du coup, je peux vous remplir les poches si vous voulez. J'en veux bien 4. Merci. Et toi, meilleur. J'en veux bien 2, s'il te plaît. Merci. Bah, go DB. Let's go. Allez. On va te faire les pneus des voitures qu'on croise. Non. Mais à ton avis, est-ce qu'on prend assez de vitesse pour doubler Peter? Au moins pour le pit. Ouais, le pit. Il faut que ce soit lui qui me pit. Comme ça, après, je suis légitime pour le pit. Et pour qu'il me pit, il suffit d'essayer de le doubler. Ça a l'air compromis. À moins Le qu'ils départ. ralentissent pour le radar. Pense qu'il va ralentir pour le radar. Oui. Ah, mais non. Ah, il l'a fait l'enculé. Coupe pas la corde. Trop bon départ, c'est pas drôle.
ralenti au radar, en plus, c'est honteux. Bah, je suis passé à 95 tout pile. Ah, c'est vrai qu'il faut acheter un matelas aussi. Bien sûr que tu t'es fait flasher, toi. Ah, oh, bah, bien sûr. Je participe activement à l'économie de la mairie sud. Oh putain, ouais, c'est comme si. C'est évident que la mairie sud a besoin d'économie comme ça. Hein. Vache. Et à coût de 150$ par passage. 150$ par passage, passe moyenne de 12 fois passages par jour. Ah ouais, tu leur fais un petit pactole, ouais. Ça fait combien? Tu fais le calcul là, réellement? Bah t'es à 1800$ par jour, en fait, globalement. Hein. 1800$ pour moi, t'es pas mal. 1800 x 30. Ça fait 54 000 par mois. C'est déjà trop. Tu te rends compte de ce que tu pourrais économiser par mois? Bon, en vrai, je passe pas à fond tout le temps. Mais, il y a des moments où je paye le ticket pour le tour de manège. Il y a des moments aussi, c'est la SASP qui t'arrête. Oh, ça fait longtemps qu'ils m'ont pas arrêté en vrai. Je fais de la purée mousseline. Non mais il s'est fait chier à ce point-là, Andra, attends. De quoi? Il s'est fait chier sur l'appel Roger. Regarde, là c'est à zéro, donc t'as juste appel Roger. Zéro. Oui. Et dès que tu mets, ça rajoute le appel fait à côté. C'est pas dur, hein. Franchement, c'est vraiment pas dur à faire. Mais, hein. Mais je sais pas, mais il s'est fait chier à ce point-là, quoi. Il avait fini, on était encore avec Monty et Andrea là où on avait fait la réunion. Je pense qu'on doit avoir un des meilleurs dispatchs quand même de l'île. Je connais pas tous les dispatchs, hein, mais de ce que j'entends. Ouais, en vrai, ça dépend. Par exemple, Lena, elle était choquée quand elle a vu notre dispatch. Ouais, justement, par exemple, la colonne safe, les gens sont en mode, mais nous, on n'a pas ça. Oui, la colonne safe, c'est un truc que j'avais eu l'idée quand j'étais à Evolt. Qui avait été mis à Evolt et qui avait été testé et approuvé à Evolt. Et quand je suis arrivé ici, j'ai pas lâché le morceau. Tu peux demander à Peter, je l'ai saoulé plus une fois avec cette colonne. Pour quelle colonne? J'ai pas écouté. La colonne safe. Ah oui. Oh, c'est pas mal. Après, il y a des trucs. Par exemple, Léna. Léna, par exemple, est choquée que tout le monde puisse voir les chiffres de tout le monde. Mais parce qu'elle vient de. C'est un point au Black Cat où tu ne peux pas changer le dispatch des autres. Oh, ça doit être vachement sympa en termes RH à mettre en place. Ouais, ça doit être bien, ouais. C'est... ouais. Mais non, en fait, ils ont chacun leur feuille. Mais oh, franchement, je vois pas l'intérêt. Enfin, oh non, tu vas faire quoi? Tu vas jalouser les autres parce qu'ils font des gros chiffres? Si t'es comme ça, franchement, déjà, t'as l'envie de travailler en équipe. Hein. Ben non, clairement. En fait, ça dépend de ce que les patrons ont mis en place, par exemple, à Evolt. C'était un truc, c'était un débat, il y avait tout le temps, parce que le chiffre des autres était un secret, donc forcément, comme t'as un truc que tu ne parles pas et que tu ne montres pas, bah tout le monde en parle, c'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Et je vois à Darnel que tout est affiché pour tout le monde, il n'y a jamais eu de rivalité qui s'est créée en mode chiffre, quoi. Si, des petites rivalités concours d'ego qui est rigolo, qui a eu... par exemple, entre Wyatt et moi, à plusieurs reprises. Que tu as toujours gagné. Non, en vrai, de vrai,
Sur une semaine, à la fin, on s'est dit on est ex aequo parce qu'en fait, on avait une centaine de quarts des sacs. Une Ben, centaine salut de Peter. sacs d'écart. Il a eu mal à la tête. Et yo, Lucas, comment ça va? C'est pas moi, moi je m'appelle Willa. Ah bon? Comme une belle tête à t'appeler Lucas. Je suis pas sûr, moi. Non, je suis pas trop d'accord. Ah ouais. Incroyable, tu t'es approché de la mule. T'as vu? Et Peter, C'est... pareil. Je suis approché de Boum! Peter, il m'a dit boum. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ouais, ça fait deux Tu fois par contre, l'attires. ça commence à me péter les couilles. Oh, heureusement, heureusement qu'on est là. Non, mais je sais pas, genre. Je peux plus rien faire des à un moment, je sais pas, je comprends pas. Ah, c'est les migraines. Se fait de la purée mousseline. Allô? Oui. Ah, j'ai cru que j'avais encore un problème. Non. Tout va bien. Patchy, oh, let's go. C'est fini. Même pas aidé à travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un peur? C'est pas pour moi, c'est pour un copain. Moi, je travaille pas. Travaille pas? Bah non, je suis en vacances. Et pourtant sacrément présent pour ne pas travailler. Bah je regarde. Et merci beaucoup. Putain, mais je peux pas mettre 18 à Franck, t'es plein. Mais je vais mettre où mes 18, moi, Maya? En plus, c'est les 18 Bah que écoute, j'avais c'est dans toi mes qui poches, décides. sûrement, non? J'ai plus, il y a aussi, il y a aussi ce que j'ai. Tu stockes du coup? Quoi? Il a du mal à démarrer. Oui, la galère a démarré.
Après, si tu veux, il y a Franck qui est là, donc si tu veux rester tranquille et profiter d'être avec Amy, reste avec Amy. Hein. Ah, d'accord. Putain, c'était chaud. Ok. Ok, ça marche. Vas-y, bah tu viens, tu pourras prendre un bol, un burrital. Nous, on est avec les... Voilà. Ça marche, bah si on est déjà reparti, on s'est compté à toi l'usine. Vas-y, tout. Non, pas non. Oui, Franck, si tu veux donner un coup de main, ce serait bien, c'est que tu te changes quand même, par contre. Mais t'inquiète. C'est passé. Bip, 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 bip. Terrible, ça. C'est terrible, je sais pas ce qui t'est arrivé. Elle a une force, elle nous a bougé tous les deux. Ah ouais, mais c'est normal, elle était pas là. C'est vide. Vide. C'est vide. C'est les derniers. C'est vide? Déjà? On est trop efficace. Tac 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 tac. Merde, je sais plus combien j'avais sur dans ma mule. Oh merde. Oh, il était beau celui-là. Carnage. Le quoi? Le carnage. Ah ouais? Parce que ouais. Mais non, les autres véhicules, je les ai vus se taper les uns dans les autres. Oui. Bidim. Ça y est, il va me l'avoir foutu en tête, putain. Il y a encore des gens qui passent par là-bas. Quoi? Il y a encore des gens qui passent par là-haut? Oui, beaucoup. Ah ouais. Ouais, bah Peter, Maya, la preuve. Je suis passé 3 fois, moi, je pense. C'est une série gagnante là. Re. Re. Black Jack? Oui. Dans ces 4, faut que j'y aille. J'ai gagné 2000 jetons à la roue. Du coup, j'ai sécurisé 1000 jetons et j'ai joué 1000 jetons. Du coup, je suis de nouveau à 2400 jetons. Hop.
moi en ce moment je gagne plus au casino que à Darnel. Hein. Incroyable. J'ai envie d'aller miser 1 million. Allez, maintenant ça veut dire qu'à Darnel ça gagne pas d'argent. Non, c'est juste que, je fais juste mon quota et mon ratio de 50-50 et j'ai pas tellement beaucoup plus le temps. Donc, ça fait chier Peter qui gagne de l'argent comme ça. Mais alors la vraie question c'est est-ce que quelqu'un aurait un médoc pour moi? Alors, quoi comme médoc? Un antibiotique, ce serait bien. Un laxatif. Dans la mule. J'avoue que j'en ai plus, moi. D'accord. Merci. Pardon. J'ai oublié de me recharger en médoc. Ouais, bah moi aussi, du coup. Je suis en train de me rendre compte que j'ai quasiment plus rien. J'ai plus qu'un antibio, j'ai plus rien, sinon. Alors, actuellement, sur moi, j'ai un téléphone, un kit de nettoyage, un mouchoir et du tissu. Voilà, bisous. J'ai tout ce qu'il vous faut. Et j'ai encore un check aussi, si besoin. Il y a des pharmacies qui sont là. Ouais. Ouais, je tombe malade dans la mule sur le retour parce que j'en fous de partout. Je peux même t'en rendre. Alors, de préférence, si t'as la diarrhée, mets ton cul au niveau de la fenêtre. Ouais, elle est ouverte la fenêtre en plus. Ça sera plus simple à nettoyer que. Dans ce cas-là, tu fais ça au moment où Peter est derrière avec sa mule. Avec un peu de chance, il n'y aura plus rien à travers son pare-brise. Alors, son je crois qu'il a, il a plus de pare-brise. Ah merde! Ça c'est qu'à de le dire. T'as mis tes lunettes, Peter? La souris pas en même temps, parce que sinon les dents. Pourquoi ça me fait penser à certaines vidéos que j'ai vues quand j'étais jeune? Oh, quoi? Je veux pas savoir. Je veux pas regarder mes vidéos. Je veux pas savoir. Ah, moi non plus. Je regarde des trucs chelous, Peter. Ah, pendant que je te dis, jeune, là, c'est super. Bah écoutez, Two Girl One Cup, tout ça, voilà, hein, merde. Ah, merci. Ah non. De rien, bon c'était cadeau. Tu manges quoi? Un agneau de Pâques. Quoi? C'est bien, c'est à peu près la même coupe. L'agneau de Pâques? C'est quoi ça? C'est un gâteau, en fait, c'est un peu dans le style du 4 quarts. Ok. Et super bon. Pourquoi, pourquoi agneau? Parce que la forme du gâteau, c'est un agneau. Non, vraiment, il y a sa petite tête et tout. Sa petite tête toute mignonne. Oui. T'as eu de l'envie de le croquer. Surtout, bah, pour le manger, tu le décapites, ouais. Non, mais ça, c'est comme les lapins de Pâques, c'est pareil. Non, mais t'as un pack en plus, là. Agneau de Pâques. Oster Lamel. Oh non, papa, j'ai gardé des mauvais souvenirs. Oh si, Pâques, chocolat. Non, je suis tombé en haut d'un... Oui, enfin, si c'est comme pour la Saint-Valentin, on m'a dit l'année dernière, fallait aller en chercher partout, et là, fallait rien chercher nulle part. Alors bon, hein. L'année dernière, mais non, il fallait pas en chercher, c'est juste que dans tous les cas, il y avait des trucs. Allez, mais là, bien. Les... Fallait chercher des œufs ah aussi, l'année dernière, oui, de mais pour Pâques, oui. Même bah pour non, j'ai tapé 12 heures, puis parce que je suis tombé du château d'eau. Pourquoi tu veux reculer même J'ai mis le frein à main, ça sert à rien. Trop dur. T'as d'ailleurs hier soir on s'est baladé avec Emmy en ville là. Oula. Je pense que. Titre. On s'est baladé en ville. Qu'est-ce que tu veux faire un titre? Y'a pas de titre là-dessus. Ah ce que a dit Peter. Ouais. Ah j'ai pas entendu. Trop dur. Ah oui bah oui, effectivement. C'est dingue les trucs que tu vois quand tu te balades en ville et que tu explores un peu, que tu montes sur les toits et tout. Des endroits magnifiques et tu vois des endroits où fallait pas du tout être. Fallait pas du tout être, c'est-à-dire? Ah. Des caracara jaunes qui viennent avec des voitures blanches, qui font des échanges avec des gens qui ont des trucs dans les mains, tout ça. Bah dans ces moments-là, tu prends une grosse photo et t'envoies au LSPD ou... Bah en vrai, j'aurais pu. Hein. Parce que nous, on voyait tout, mais ils nous voyaient pas. Et t'as dit quoi comme véhicule après? Une voiture blanche. Voiture blanche. Je sais pas ce que c'était comme bagnole, du coup. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend. Hein. Blanc ou parce que si blanc, les mecs parce que soient... ça pourrait être les approchés. Parce que si les mecs sont habillés en blanc aussi, je prends pas de photo. Hein. Je me casse. C'est une voiture de merde. Hein. Ah oui, non, moi je prends pas de photo. Oui. Maya et Blake ont découvert... qu'il y avait des... On était sur les collines, c'est sur l'Est, là. Et elle disait, au loin, oh, c'est quoi ça, là-bas? On dirait il y a un bateau. Il est un porte-avions. Ouais. Un porte-avions. Genre oui, ça, tu ne les vois pas. On n'était jamais allé par là-bas, on n'avait jamais vu. Ouais. Vraiment, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas.
C'est un mirage. Moi je les vois genre là. Là je les vois là. Oui, moi je les vois aussi, ouais, d'ici. Mais quand on est là, on travaille. Pas besoin de monter sur une colline, hein. J'ai juste à regarder en dessous du pont. Hein. On n'a pas le sens de l'observation. Peter, il se sauve déjà. Mais non, mais vous faites les poches. Bah oui, comme ça on les met dans le frigo et après, bah ceux qui ont besoin de compléter des burritos, ils en prennent 20 par 20. Ok, ok, mais je veux pas c'est... l'info. C'est... Bah, c'est tout ce qu'on a. Je peux faire la distrib si vous voulez. Je peux t'en prendre 2, 7... Ça, 2, 7. Non, mais je compte. 2, 7, 6, ça ressemble vachement à un code de carte bancaire, ça. Je dis ça, je dis rien. Peter, Maya. Normalement, je suis capable d'en récupérer 8, donc je regarde. Ouais, c'est bon, j'en ai tout juste 8. Tu m'as dit combien ? 5, s'il te plaît. Merci. Let's go. Putain, le frigo, il va être dans des... Pas le frigo. Putain, je suis monté vite au cas où, mais... Il a pris trop d'avance. Le stock, comment il va être blindé. Je te mets sur les comptes ou je te mets pas sur les comptes? Je m'en fous. En vrai, je suis pas sûr que ça me serve à grand chose pour cette semaine. T'as pas ton quota minimum, ouais, ça sert. Ah bon, non, je suis à zéro là. J'ai fait zéro vente moi cette semaine. Hein. Pour moi, c'était de vraies vacances. Ouais, donc je vais pas te mettre sur les comptes, c'est inutile. Non, ça sert à rien. Je suis là en plante verte là. Si tu veux, je peux te faire ton dispatch en plante verte. Si tu veux. Ça vaudrait presque le coup de le rajouter. Dans le truc. Là, presque. J'aime bien avoir des trucs perso. Oh putain, comment il s'est mis hyper loin. Là, tu veux ton point? Oui, j'ai vu, ouais. J'y ai tenté. Prends par 30. Ok, il m'a appris une nouvelle technique pour les cas. Ah ouais? Ah, c'est pour ceux qui tournent à 30. Là, qui sont intéressés. C'est quoi la technique? Tu retournes direct. C'est que... Tu retournes direct, en fait tu fais deux tours avant d'aller au coffre. Ah oui, je savais ça. Bah, je savais pas moi. Bah je crois que c'était Kane que j'avais vu faire une fois d'ailleurs. Faux quoi. C'est honteux, personne ne me partage l'info. Je l'ai découvert la dernière fois. Mais c'est trop bien, mais en fait quand on tourne à 30, tu fais un tour, tu vas chercher 30 en bas, tu fais les cas, tu redescends en bas, tu refais des cas par-dessus et tu déposes 60. Tu parles plus fort, à chaque fois j'entends pas. En fait, si tu tournes par 60 et par 40, oui. Tu peux faire deux tours avant de te mettre dans le coffre. Ah, ok. Vous êtes vraiment sur de la micro-optimisation comme ça, ça me rend fou. Par 40, c'est très bien. Moi, je fais plus par 40.
J'ai fini par 40, c'est trop chiant. Mmh. Vider les poches et tout. Une galère. Et si ça souffle, tu perds tout ce que t'as. Je vais perdre un mouchoir, un téléphone et un antidouleur. Waouh! Alors, il y a des personnes à Darnac. Un extincteur, et un bidon d'essence. Des personnes à Darnac, c'est des armuries. Non, ça, c'était les chutes dans l'escalier, je reconnais. Ouais. Je suis trop con, putain. Non, c'est de l'eau, Gabri, ça va. Moi, si je perds ce que j'ai sur moi, ça me fait chier. Ah, bah, pareil. Bon, je finirai tétraplégique, vous en faites pas. Je perds un PDC. Ah, ce qui paraît, c'est qui m'a dit ça? On peut remettre les petites lampes sur les 9 mm. Ah bon? Ah ouais? Ah ouais? Bah cool, je vais pouvoir sortir les miens, faut que ça soit illégal. Sur les 9 mm ou sur les PDC? Et bougez-vous, bande de gros sacs! J'sais pardon, je t'ai fait tomber de mon béret, excuse-moi. Ouais, on sera après. J'irai voir ça tout à l'heure. Dire que je finis ma prod et je vais aller à l'armurerie en face, ouais. Ouais, tout pareil, ouais. T'as quoi, toi? T'as un PDC 9. 9 mini ouais, classique. Oui, mais c'est un quoi, comme... c'est un... 9 mini classique. Classique. Ouais, moi aussi. T'as acheté ça? Le PDC. Chez moi, j'en ai pour 17 000 entre l'arme, le plaquage or plus les gravures, 17 000 balles, flemme. Oui, bah ça va, bah, c'est pas grave. Ah, je l'ai chez moi parce que 3 fois on me l'a pris en un mois. 3 fois j'ai failli pas le revoir. Du coup, tu te retrouves avec une arme que tu ne sortiras plus. C'est ça. Du coup, c'est pas utile. En fait, c'est pas une arme, c'est un jouet. J'ai toutes les armes possibles. Légales. Ah ouais? Ah. Quel est l'intérêt? Pardon, mais quel est l'intérêt? J'ai entendu, Kyle. Qui me dit j'ai toutes les armes illégales chez moi, bon, je peux comprendre, des collections, tout ça, mais... J'ai un pistolet de chaque type mais chez moi. Légal, je comprends pas l'intérêt d'avoir toutes les armes légales. Collection. Mais c'est pas une collection, tout le monde peut l'avoir. En fait, armes illégales, je vais pas m'amuser à collectionner les armes illégales, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup, moi. Un contrôle, saisie départ et tout. Non, merci. Wheeler, tu vends une AK? Non. Oh. J'aimerais déjà en avoir une. Un Kyle. Deux? Quoi? Moi j'ai essayé de voir avec Balbo pour avoir un œuf, un pompe, mais il veut pas m'enfiler. Il veut pas m'enfiler non plus, je te rassure. Faut envoyer Talia. Talia qui va lui demander. Talia, c'est pas le même fusil qu'elle veut prendre. Oh ça. Comment tu vas fumer? Ah mais Talia, elle est obligée de faire avec un canoncier, donc bon. Ah la violence. Mais non, mais il m'a ruiné mon truc! Mais niquez-vous! Mais bon, quoi? Mais vite! Il va bosser! Plein le cul! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je sais pas, on lui a niqué son truc à part. Pourquoi il gueule? Je sais pas.
Avec plus que 10. Non, il en restait 50. Est-ce qu'il répond? Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Pas sûr que tu arrives à monter avec juste. Non, je sais pas monter. Alors 2500 pour la lampe sur le 9 mm classique. Correct. Et tu peux le golder aussi maintenant, c'est 10 000. 1645. Ok, c'est bon. Alors, récupérer un antibiotique. Un peu de burger, parce que je peux pas déconner un petit peu. Une pommade. Un mouchoir. Non, c'est bon, je tiens le mouchoir. Ça fait combien, s'il te plaît, chacun? 250. Merci. Alors moi c'est Kyle, chanté d'être ici. Ça faisait un peu conseil là, hein, je suis désolé, mais. Mais laisse ma tête dans l'oreille là. Mais non, mais laisse-moi, mais laisse-moi tranquille. Viens. Bon, bah moi je vais vendre. Je bah, bonne vente. Adieu. Il
Mais adieu. Moi, je vais faire la fois que j'allais, ouais, j'allais à l'armurerie, moi. J'ai des trucs à regarder. Moi, je vais retourner à l'usine. A plus tard. A plus tard. A plus. Parce que s'il y a des nouveaux trucs sur le 9 mm, il faut que j'aille regarder s'il y a sur les autres. Tu me feras un rapport détaillé ? Détaillé ou détaillé ? Détaillé. Oh putain, ça va être long. Non, mais moi je veux bien savoir ce qu'il y a surtout. Que j'y aille pas pour rien. Tu veux bien savoir ce qu'il y a sur quoi ? Si tu vas avec chaque arme, tu me diras ce qu'il y a de sur chaque arme, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça va être long. Bon, je pense pas, parce que sur le vintage, je suis pas sûr que tu vas pouvoir mettre masse truc. J'ai même pas de vintage, j'ai pas de pétoir ni de vintage. J'ai les deux, j'ai les tous. Ouais, je me pose 3 minutes là et après bah, on va retourner en prod. Ouais. Bon, allez, je vais regarder ça et après je retourne au casino. Yes. C'est quoi, Pierre ? Je vais me poser, mais à l'usine. Oh, ça marche aussi. Hein. Ah non, attends, avant. Je vais me poser. Ouais, je vais faire ça à l'usine. Ouais, et tout. Moi, je vais te suivre en moto. À toutes. À toutes. Oh, tu vois un mec en moto casqué, tu te même pas, tu t'inquiètes. Le mec m'avait prévenu que t'arrivais. Ouais. Bonne réponse. 250. Peter. 250. Mec. 250. Kyle. 250. Maya. Mais bon, juste un pour moi, si tu veux. Un flemme. Non, mais je plaisante, ça sert à rien. C'est pour quand on sait ? Bah moi je sais, oui. Ok. Ça marche pas. Je sais qu'il n'y a pas de répondeur sur cette île. Je t'appelle pour prévenir, du coup j'ai créé le fil là pour la commande, mais comme il est vachement haut, je préfère te prévenir qu'il a été fait et comme ça tu passes pas à côté pour l'enregistrement. Voilà, c'est tout. Donc je te mets le petit PC. Bah non, je l'ai pas en rapide, je te laisse mettre le petit PC. Bouge, c'est ouf, je cherche et tout, c'est chiant, c'est relou. Ouais, de fou. Mais ça marche, bon bah à plus. Et... oui, réponse.
Ah si, mais comme c'est mon petit qui s'en est chargé, voilà, tiens. Et non, les livres. Si, oui. Ça marche. Des bisous. J'avais noté 400K, moi, alors que j'en ai que 500 en tout. Papa. Bidi bidi Hop là, tu pars sur quoi toi, Maya? Là, je stocke et après je vais faire une double. Allez, c'est de... Ça, je Appelle reconnais, les hein. copains. Ça, tu vois, c'est un groupe qui se met de côté volontairement, ça. Un groupe de 1. Ça dégoûte. Ouais, moi je reprépare un brick. Hein. Bim. Emilia, elle est censée être là d'après. Ouais, elle se repose. Je sais pas, je sais pas si elle sera dans l'après-midi ou fin d'après-midi ou début de soirée, tu vois, mais ça va être en fonction de comment elle se sent. Yes. J'y vois, oui. Allez, donnez-moi, dites-moi combien. Oui, monsieur Kai. Je suis full. Le Goldé, c'est pas nouveau, ça a toujours été le mien, Goldé. Le nouveau Goldé. Et t'as toujours l'ancien? T'en as deux différents, du coup, maintenant. C'est ça. Et les deux sont à 10 000? Il y avait déjà un goldé, tu pouvais déjà mettre un goldé comme sur le l'axe on a vu tout à l'heure sans le PDC. Après, le nom, je sais plus, mais. D'accord. Ouais. Quoi, américain, il y a quoi? T'as eux? Attends quoi? Ça m'intéresse là. Attends, ça t'intéresse, Franck. Faut que tu ailles à l'armerie avec ton poing américain.
I trust you keep him well. I wish hey, more people in the bodybuilder scene sure would call go me natural later and choose vegetables, not chemicals. Incroyable. Tu peux aussi customiser ton point un point américain, mais c'est pas, t'as énormément de trucs de fou. Tu peux mettre des diamants, tu peux mettre des inscriptions dessus, tu peux mettre des pointes et tout. Ouais, c'est pas que mettre des pointes et tout, donc voilà. Là, je vais aller voir ça voilà, avec Mila. Voilà les nouveautés. T'as des spéciales Ballas Vagos. Ah, c'est pas, t'as des spéciales Ballas Vagos là, Franck est en train de me dire. Voilà. Je vais me poser là-haut et je vais grailler un bout, j'arrive. On est pour un quart d'heure à minuit. Hop. Je vais cut le live. Vingtaine de minutes. Je vais pas vous laisser. Peut-être que je vais être déco si je suis trop long. Je vais aller manger un bout de fait puis je reviens. Restez dans le coin. Hop. Et dans mes cartons.